Lou, y es-tu? Un livre écrit par Laurie Blavout et illustré par Clément Devaux, publié aux éditions Les Belles Histoires. Cric-crac! Et l'histoire sort du livre. Lou, y es-tu? Ce soir, quand Grand Loup rentre dans sa tanière, son panier à provisions est vide. Que vont dire les trois petits loups qui attendent leur repas avec impatience? Grand Loup, la tête basse, leur annonce. Mes petits loups, ce soir, il n'y aura pas de dîner. Je n'ai vraiment pas eu de chance aujourd'hui. Dans le bois aux champignons, le bûcheron a voulu me couper en morceaux. Au champ de choux, le chasseur a bien failli me trouer la peau avec son fusil. Quant aux œufs de la ferme, pas moyen de m'en emparer. Le fermier a essayé de m'embrocher. Pour ce soir, ça suffit. Je vais me coucher. J'y retournerai demain. En attendant, je vous interdis de sortir. C'est bien compris? Mais très tôt, le lendemain matin, les trois petits loups sont réveillés par la faim. Le plus petit chuchote à ses frères. J'ai rêvé de champignons, de choux et d'œufs. Toute la nuit. J'ai faim, ajoute le second. J'ai vraiment faim. Alors, le plus grand décide. Ne restons pas le ventre vide. Laissons Grand Loup dormir et allons voir nous-mêmes s'il n'y a rien à se mettre sous la dent, dans la forêt, dans les champs ou à la ferme. Et oubliant l'interdiction de Grand Loup, les trois petits loups sortent de la tanière à petits pas de loup. On trouve dans la forêt de délicieux champignons. Les trois petits loups les avalent goulûment. Pas de bûcheron à l'horizon? Non, juste sa hache et sa casquette accrochées à un arbre. Alors, oubliant le danger, les petits loups chantent à tue-tête. Promenons-nous dans les bois pendant que le bûcheron n'y est pas. Si le bûcheron y était, il nous couperait, mais comme il n'y est pas, il nous coupera pas. Bûcheron, y es-tu? Que fais-tu? Regardez, dit l'aîné des petits loups d'une grosse voix, je prends sa hache, sa casquette et j'arrive. Voilà maintenant les trois petits loups au champ de choux. Comme c'est bon les choux! Mais gare aux chasseurs. Pas de chasseurs dans les parages? Non, juste son fusil et sa veste posés contre un tronc d'arbre. Alors vite, les petits loups se goinfrent de choux en chantant. Promenons-nous dans le champ pendant que le chasseur n'y est pas. Si le chasseur y était, il nous chasserait, mais comme il n'y est pas, il nous chassera pas. Chasseur, y es-tu? Que fais-tu? Regarde, dit le second petit loup d'une voix rauque. Je prends son fusil, sa veste et j'arrive. Maintenant, les petits loups gobraient bien des bons œufs tout frais pondus. Mais à la ferme, gare au fermier énervé. Pas de fermier au poulailler? Non, juste sa fourche et ses bottes sur un tas de fumier. Les petits loups chantent joyeusement. Promenons-nous dans la ferme pendant que le fermier n'y est pas. Si le fermier y était, il nous embrocherait. Mais comme il n'y est pas, il nous embrochera pas. Fermier, y es-tu? Que fais-tu? Regardez, je prends sa fourche, ses bottes et j'arrive! Crie le cadet des petits loups d'une voix grave. Puis les trois petits loups foncent tête baissée dans le poulailler. Mais les poules, effrayées, se mettent à caqueter pour donner l'alerte. Et c'est la pagaille au général! Le bûcheron, le chasseur et le fermier, qui déjeunaient ensemble, entendent tout ce racket. Ils sortent de la maison avec des casseroles et des couteaux à la main. Cette fois-ci, c'est sûr, ils tueront Grand Loup. Le bûcheron crie: Sors de là, Grand Loup, on sait que c'est toi!
C'est alors qu'à la fenêtre du poulailler surgit une masse sombre et terrifiante, celle d'un animal armé jusqu'aux dents, qui hurle d'une voix retentissante: Je prends ma hache, mon fusil, ma fourche et j'arrive! À la vue de ce monstre horrible, le bûcheron, le chasseur et le fermier laissent tomber leurs armes de cuisine et ils s'enfuient à toutes jambes en criant: Au secours! Au secours! Les trois petits loups, très fiers, sortent vainqueurs du poulailler. Ils repartent chez eux, les poches remplies de champignons, de choux et d'œufs. Pendant ce temps, à la tanière, Grand Loup s'est réveillé. Il est très inquiet, car ces petits loups ne sont pas là. Où ont-ils bien pu aller? S'ils leur étaient arrivés malheur! Mais voilà les petits loups qui rentrent et lui montrent tout ce qu'ils ont ramassé. Avant de partager ce bon repas, Grand Loup les gronde. Dites donc, vous m'avez désobéi, cela aurait pu très mal finir. C'est vrai que vous vous êtes bien débrouillé, mais à l'avenir, les provisions, c'est moi qui irai les chercher. Depuis ce jour, les trois petits loups n'ont plus jamais faim, car désormais, Grand Loup peut aller faire le plein de provisions sans craindre de se faire couper, trouer ou embrocher. Les humains ont bien trop peur de lui. Et même parfois, Grand Loup et les trois petits loups partent pique-niquer en chantant: Un, deux, trois, grand loup va au bois. Quatre, cinq, six, que personne ne prenne de risque. Sept, huit, neuf, s'il mange un œuf, il mange un bœuf. Dix, onze, douze, attention, que personne ne bouge. Et l'histoire rentre dans le livre. À bientôt. Retrouvez nos contes et nos lectures du soir ainsi que nos lectures animées sur la chaîne Les Histoires de la Maîtresse.